Et salut à tous! On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo sur World of Warcraft classique, puisque Wrath of the Lich King va sortir et qu'un pote m'a appelé hier, alias Arico, m'a dit: écoute, il y a 50% d'XP, let's go reroll côté Horde. Sachant que, comme vous le voyez, lorsque World of Warcraft classique est ressorti, on avait déjà uppé des persos. Donc moi j'avais uppé une druidesse que vous voyez ici, niveau 60, j'avais notamment été poutré Ragnaros en raid. Voilà, et après on avait dû arrêter faute de temps, mais du coup bah, c'était le prétexte rêvé pour remettre 13 euros sur la table et aller jouer. Donc on va se retrouver tout de suite pour cet extrait avec le guerrier Pastow côté Horde, et je vais être accompagné d'Arico qui va jouer un healer, donc le tandem rêvé hein, pour faire toutes les instances, absolument tout. Voilà, à tout de suite. Bien que toute la région soit maudite, les fervents humains de la croisade écarlate s'accrochent à leurs possessions en ruine, obsédés par l'éradication des morts vivants et la reconquête de leur terre natale. Convaincus que les races primitives de la Horde peuvent les aider à vaincre leurs ennemis, les réprouvés ont pas mal fait la une cinématique coalition du de début. Hein. circonstances. Yes. Sans véritable loyauté envers leurs nouveaux alliés, ils useront de n'importe quel moyen pour s'assurer que leurs sombres projets deviennent réalité. Vous appartenez aux réprouvés, et en tant que tel, vous devez défendre l'ordre nouveau contre ceux qui le menacent, humains, morts-vivants, et tous les autres. Here I am, ça y est, c'est bon. Et vous êtes... Qu'est-ce que c'est? C'est normal qu'on se voit pas pour l'instant. Bah là on se... On est dans la crypte. Bon alors vas-y, moi j'ai la... J'ai le Fossoyeur. Je ne peux pas attaquer celle-ci. Moi je suis en train de régler mes raccourcis parce que là le clavier... J'ai un clavier parti et ça accepte des lasers si c'est bon. Bon écoute, en tout cas il fonctionne bien. Tu devrais me voir, je t'ai parlé. Je t'ai parlé via Battle.net, tu vois. Yo-Yo invite, tu vois, à Haricot. Donc là, attends, je te... Ah oui, je te je te vois. vois inviter mon pote, ça y est, regarde, c'est bon, vas-y, accepte, t'as l'invite? Yes. Ouais. Attends deux secondes. Ah, ça y est, mec, on est Attends, ensemble, c'est attends, trop bon. attends. Deux secondes, deux secondes. Je te vois, mec, je te vois, je te vois. C'est le rêve. Attends. Ah. Ah, on va enchaîner, ma gueule. On va laver, ma gueule. Vas-y, où est-ce que t'es? J'entends. Ah, t'es là, ma gueule, regarde, je suis là. Ouais, ça y est, on s'est Oui, mais retrouvé. ça freeze. En fait, ça freeze. Là, je suis plus dans le jeu. T'inquiète pas, maintenant, moi je te vois en tout cas, regarde. Tu te vois ou pas sur sur Discord? Oui, je te vois en retour. Voilà. Là, maintenant, c'est bon, je te vois. Avec ta Yeah. muselière de Let's sadomaso. Vas-y, go. fais voir un peu ta muselière de sadomaso, un peu. Allez, let's go, ma gueule. Alors là, attends, qu'est-ce qu'on a à faire? On a la chasse au trésor, les grottes de 10 nuits, des 10 nuits et la dernière volonté de Marla. C'est bon? Je dois aller buter des tigres, des araignées, tout ça. Apporter le cadavre de Samuel Fim sur la tombe de Marla, puis retourner voir. Description avant la peste, mon ami Marla Pips. Phipps, c'est son mari. Samuel fut heureux, mais quand la peste est survenue, Samuel a succombé à raison et rendu fléau. Déconner, Samuel. Samuel Phipps erre dans le camp en ruine le long de la grotte. Ouais, bah, c'est là où je l'ai vu. Bien sûr, moi je sais où il est. Let's go. Il est en bas. Okay. Je l'ai vu tout à l'heure, tu sais, c'est quand je t'ai dit il y a des names. Il est le long de la route en bas là. Il y a un campement de gitans magiques. Je crois que c'est le truc là-bas. Je suis pas sûr, mais. Il m'a semblé que c'était là que j'ai vu. Il y a un truc. Il y Les a un nez. truc. Ouais, c'est là, c'est là, Tout c'est là. bon, il y a un truc. Ouais, c'est 100% là. Donc il faut le buter, j'imagine, et l'enterrer pour qu'il trouve la paix. Tu vois, il y a Stephen, Daniel, et lui c'est Samuel. Il est là, Samuel, regarde. En fait, j'avais pas remarqué, mais il y a genre 5 names. Il me faut plus de rage.
On va lui faire plaisir. Ouais. On lave la zone, on a tout le monde. On les lave tous, vas-y, on les lave. Karel Graves, le premier name qu'on a vu, regarde. On n'a pas peur, nous, des names. Et Daniel, regarde, Daniel, tu te caches, Daniel, là. Oh bah Daniel, il s'est pris trois tatas. Allez, hop, c'est fini. Allez, hop. Allez, qu'est-ce que c'est que c'est... Mec, on a eu... ça a besoin de se soulager, là. Ouais. Alors maintenant, il faudrait qu'on aille voir les araignées. Attends. Ah non, qu'on enterre l'autre, mais on le fera au... Il y a une quête, là. Attends, il y a une quête, là, par là, à choper. C'est les araignées, je pense, non? Ah, une nouvelle quête à choper, ok. Ah, regarde, c'est la barrière qui va nous faire rentrer dans le monde des grandes gens. Parce que là, on, en fait, on est dans le monde de Noob. Ça, c'est la barrière qui mène, qui mène au ciel. Ouais, effectivement, mais je vois pas de PNJ. Et on enterre, hein? Non, non, faut l'enterrer en haut. On avait vu sa tombe, c'est tout là-haut. C'est au cimetière. Yes. Non, là, il faudrait qu'on trouve les araignées. Donc, ça se trouve, il y a une espèce de grotte secrète, tu vois, un truc sous le sol. Non, je regarde. Ah oui, j'ai trouvé où étaient les araignées. Vas-y, let's go. Les araignées, elles sont là. Tu es au chute, là? Oh ouais, je te vois. Ouais, il faut aller tout devant là-bas. Je te suis. I follow you. Ils sont pas là. C'est... Franchement, je pensais pas y rejouer, mais je suis content, quoi. Je suis content de l'avoir découvert déjà pendant cette période si miraculeuse pour moi. On peut dire que j'ai profité, hein. Eh, on est revenu, je me rappelle, on est revenu de vacances, moi je revenais... C'est quand même fou que tu l'avais jamais rincé quand même ce truc, quoi. Bah imagine, non, je te dis, j'avais pas eu le temps, j'avais... En fait j'avais enchaîné... En fait j'avais enchaîné l'autre, plein d'autres MMORPG et Aion, mais notamment l'autre et Aion à mort. Du coup j'ai fait 4-5 MMORPG pendant ce temps, tu vois. Mais là où c'est un truc de ma boule, quand même... En gros, c'est un truc de ma boule, mais après, tu vois, l'autre coup, moi j'ai toujours été à Donk dans l'univers. Oui, oui, non, mais forcément, ça m'a happé. Et Aion, tu sais, tu te rappelles, tu pouvais voler quoi. T'avais des ailes, oui. Et tu pouvais te battre dans la galaxie. Là, c'est oui, non, mais justement, en fait, le truc, c'est que World of Warcraft est arrivé avant tous ces jeux quoi. Bien c'est sûr. Que tu les fais avant que ça arrive là où tu fais quand même des jeux bizarres. Ouais, bien sûr, mais j'étais à Donk dans Warcraft 3. Et après, en fait, après Warcraft 3, j'étais à Donk dans Generals, leur H. En fait, j'étais à fond dans les RTS à cette époque, tu vois. Et c'est après... Et c'est après que j'ai basculé sur l'autro, etc., machin. D'ailleurs, monogame que l'autro, et puis ensuite... Là, Starcraft 2 qui est sorti, du coup, j'ai replongé dans le RTS à mort. Et après, t'as Diablo 3 qui, en hack and slash, m'a remis en selle. Tu vois, j'avais vite fait jouer à Diablo 2, mais chez Fred, mais je le regardais beaucoup jouer, mais personnellement, je connaissais pas. Oui, et un peu moins de ouais. Mais là, ça va être ouf, hein. Je te jure, D4, franchement, ça va être ouf. Ça va être la même vue que World of Warcraft, de haut, comme ça. Le même principe au final, hein. Tu tapes des mobs, voilà, t'es content. Tu oui, toi, tu le sens bien, là, Diablo, là. Mais c'est pas. Si tu dis, ça va être exactement pareil que World of Warcraft. C'est-à-dire que tu vas avoir des quêtes, tu vas devoir buter des mobs no brain. Après, tu vas avoir des armures de ouf, des combos de ouf. Oui, mais en fait, moi, ce qui me plaît dans Warcraft, c'est pas le PvE, quoi. C'est l'idée d'un PvP, en fait. Ouais, mais là, ça sera pareil dans Diablo 4. Tu pourras croiser des mecs sur la carte qui te tueront et qui te voleront tes. Qui te voleront tes loups. Tu vois, de même que tu pourras faire de la coop. Alors après, quand tu joueras sur une map, t'auras un nombre de joueurs limité. T'auras pas tous les joueurs, tu vois, qui sont là. Ça sera des mini serveurs, mais tu pourras croiser une trentaine de personnes dans la soirée. Tu vois, tu n'auras jamais 400 personnes comme dans un. Guild Wars. Ouais. Guild Wars. Sachant que même c'est plus, sachant que. Sur les World Boss, après ce que j'ai vu, des attaques à 20-30 en coop. Donc à mon avis, il y a peut-être, je sais pas, sur un serveur, je saurais pas te dire, faudrait regarder.
Mais en tout cas, oui, il y aura quand même suffisamment de monde pour soit sûrement croiser, se faire des effets, etc. Il me faut plus de rage. Get back. Là, t'as tout le monde, là ? Eh, on est bon, là, on va vite, hein. Ouais, let's go. On va enterrer Samuel. Un moment funèbre. Un moment triste. Un moment de recueillement. Ah, si, il y a le bouton suivre. C'est bon. Putain, ça fait plaisir. Attends, je vais juste... Mais tout à l'heure, je t'ai fait un follow, mais t'étais trop loin, quoi. Attends, je vais juste me resservir. Me plante pas dans un arbre. J'aimerais me resservir à boire. Vas-y. J'ai essayé de te follow tout à l'heure, mais le temps de l'écrire sur le clavier, t'étais déjà là. Ah, ça y est, ça repart, hein. Ah, bon. Non, c'est bon, ça passe. Regardez, mon gars, il passe. Oh là là, c'est magnifique. Let's go, l'enterrement. Après, ils vont être contents. Ouais, pareil, après, on fait une petite pause équipement. Allez, on va rendre la quête. Bonjour. Nice. Il n'y a plus qu'à s'équiper. Ça a intérêt à valoir le coup. Attends, déjà on va. Attention, nos ennemis sont nombreux. J'arrive dans 2 minutes. Et l'autre quête que t'as, c'est quoi? C'est la croisade écarlate, c'est ça? Yes. Et là, je t'attends juste pour aller vers là. Bah, vas-y, let's go. Hein. Let's go, mon gars. Faut buter quoi? Je sais pas, mais c'est par là en tout cas. Ok. Non, mais j'ai peut-être déjà fait hein, finalement la quête. En tout cas, il y avait rien dans les. Je sais pas si c'est eux, mais peut-être nous, c'est les bons trucs. Ah, voyons voir la charge. Ah, la charge, c'est fat. Pas assez de rage. Il me faut plus de rage. Pas assez de rage. Oui, donc là, les convertis avec cravate, c'est eux qui font ça. Je serai du bien. Moi, ouais, bah faut en buter tout plein. Hein. Ouais. Il me faut plus de rage. Je reste avec toi parce qu'il y en a un sur deux, c'est toi qui boot, après c'est bon. Ouais, on les enquille. Sur un gars là. On peut même en faire plusieurs en même temps, regarde, pour que ça évite. Hein. Tu vas voir ce que ça donne, on va essayer. On en teste et deux. Ça va rien faire parce qu'on n'a pas d'out. On les pack, comme ça on fait un tas de cadavres. Je ne peux pas encore. Cette technique n'est pas encore utilisée. Je ne peux pas encore le faire. Non. Il est fort, tu sais. Regardez, tout un campement disséminé là. On va un peu leur rappeler que ça se passe pas comme ça là. Hein? Qu'il faut rentrer dans le rang de la société là. Au lieu de fumer des joints autour de votre porc rôti dans le campement là, les gars. On va peut-être rentrer dans le rang de la société.
Ah, ils ont pas voulu rentrer dans le range et on a dû éliminer les cibles. Chef, ils ont pas voulu rentrer dans le range. C'est l'enculé. Il y a deux doigts de pied de choper le dernier. Ah là, on a buté là. Et j'ai, c'est bon. All good. Bon, bah, il faut aller rendre au monsieur. Hein. De toute façon, yes. On déconnecte que quand on a notre cheval. Hein. Niveau 40. Non, c'est niveau 40 le cheval. Mais évidemment. Ah, j'ai oublié moi. On est niveau combien là? Il y a 5. On est que niveau 5? Tu crois qu'on a passé combien de temps avant d'avoir un cheval la dernière fois qu'on a vu? Je sais plus, mais j'ai, franchement, je me rappelle plus. C'est un mois et des briquettes, on a dû aligner 50 pièces d'or ou un truc. Ah oui, mais entre temps, tu sais, il y a eu des briquettes. Hein. Il y a eu du Elden Ring. En tout cas, c'est sympa. À mon avis, le cheval pour ce soir, c'est un peu même ambitieux, pour demain tu penses, hein. Matin, c'est ambitieux. Pour demain matin, 7h. C'est bon qui est ambitieux. Ça a intérêt à valoir le coup. Oh, attends, là on a des beaux trucs là. Épée bâtarde de réprouvé. Demain. Épée courte. Oh, vas-y, terminez la quête. Accepté. Partie des réprouvés. Ah, entraînement de guerrier, mon gars. Tonnerre. Coup 95 pièces. Putain, il faut des pièces, Magé. Il faut des pièces. Ça se vend que dalle, les champignons. Coup de tonnerre. Putain, il me faut beaucoup d'argent. Il faut beaucoup d'argent, Magé. Bon, bah vas-y, hein, allons-y. Donc on fait information décisive, c'est ça? Porter à qui le parchemin? C'est dans l'audit, je pense. Ok. Dézoomer. Moi j'ai pas grand chose, ouais. Kalimdor, c'est où on était, c'est les gentils, et Royaume de l'Est, c'est les méchants, ok. I'm here. Il faut suivre la route. Cool. Retournez voir l'apprenti apothicaire Hollande à Brille, au clairière de Tirisval. C'est à lui qu'il faut apporter l'herbe des ténèbres à Hollande. On commence à rentrer dans des mondes hostiles là, je pense qu'il va falloir se faire le journalier, mon gars. Ah oui, non, c'est toi. Bien sûr que c'est moi. Bon bah y'a plus qu'à prendre les citrouilles, vas-y on fait on va leur piquer les citrouilles. 10 potirons. C'est la récolte, écoute, on a faim. On va faire le tour du champ, hein. De toute façon c'est pas très compliqué, y'en a plein, regarde. Je suis tombé sur un nid qui a respawn là où j'étais. Et y'a plein de gens qui ramassent des potirons, c'est ouf, hein, y'a toujours du monde de connecté, hein, sur vous. Là la sortie. Alors... Là la sortie de. De tel cas là, ouais. C'est sur Twitch, c'est devenu top en fait. Sur Switch? Sur Twitch. Ah, Twitch, c'est redevenu à fond, ouais. Ah oui, là c'est top 3, top 5 avec le vidéo. Putain,
à des moments sur A, tu cliques sur des potirons en avançant automatiquement. Oh, tu sais que ça va bien se passer. Exactement ça. Alors, objectif 4, livrer les informations, livrer une recette à René, retourner voir l'apothicaire. Ouais. Moi j'ai tous les trucs et je sais où il faut aller. T'as encore des trucs à valider ou là? Non, moi c'est écrit livrer les documents, livrer une lettre, retourner voir, donc c'est bon. Alors, faut aller à l'est. L'est, pardon. Ah là, il y a une merdouille, il a chopé. Il faut lui parler à lui. Accepter. Et hop, dégage. On le coulait. Il faut te parler. Moi, c'est fait. Faudrait qu'il se lave un peu, il sent mauvais. Il y a des trucs à choper là. Attends, je vais mettre suivi la quête, suivi. C'est des herbes, il faut choper de la beurre. Suivi. Ok. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Un truc qui brille sur le sol. Ça faut pas tuer les sombres dogs décrépits là. Il me faut plus de rage. Pas assez de rage. Cette technique n'est pas encore utilisable. Pas encore. Il me faut plus de rage. Putain, le sombre dog, il pique, il commence à piquer un peu, hein. Il fait chier, quoi, le truc. Allez, en tout cas, il donne de la bonne viande. Bon, alors, du coup... Il y a des petites herbes à ramasser, ok, j'en vois. Bon, parfait. Il n'y en a que 3 à prendre, donc c'est cool. Ça va vite. Ouais, très très vite. Et il faut choper des potirons de chez papa. Attends. Ouais, on va aller voler dans des champs des humains. C'est par là. Ouais, potier là. Le gros lard, il veut des racines, on va lui en donner. Les gars, ils sont comme quoi. Ouais. Ils ont relancé le jeu il y a 2 heures et ils sont en mode genre let's go. Let's go mon gars, on est à fond là. Puis après comme... Et après, t'as un truc à réparer toi. Un truc à réparer là. Et un foire d'or aussi là. Non. Qu'est-ce que c'est? Mettre des tailleurs, entraînez-moi, vas-y. Dans le doute, on sait pas trop. Prends ce métier là. De quoi tailleur? Non, moi il me faudrait plutôt. Plutôt armurier, je pense. Faites confiance à personne. Oui, de toute façon, on prendra ingénieur à la fin. T'as appris les deux? Ouais, pour avoir les fusées et le truc pour ce heal, ouais. Pour ressusciter. Le défibrillateur. Ne faites confiance à personne. Au bout du fromage, t'attends. Magnifique. Mais attends, et du coup, on a toujours pas été sur le jeu qui me manquait là. Si, ton... ouais. Non, on va... Hein ? Là, on va aller rendre la quête. Non, non, mais sur le jeu Mega Drive qui me manquait, je crois qu'on n'est pas allé jusqu'au bout du truc. Au final. Ah oui, non. Vu que j'ai pas vu ton message. Ouais, je pensais à Alien Soldier, non ? C'est pas ça ? Hein ? C'est pas celui-là. T'as dit un truc mais méga emblématique quoi. Mmh. Ah, moi j'ai pas. C'est limite, j'ai envie de te dire, je pense que je l'ai pas vu. Je suis sûr de pas l'avoir vu, mais. Ah, ça c'est dommage. Je pense que je l'ai trop fait.
Je ne peux pas encore le faire. Ouais, alors, je pense à Chuck Rock. Non, c'est pas ça, Chuck Rock. Et que je te dise lequel, là. Ouais, vas-y. Comic Zone. Ah ouais, Comic Zone, ouais. Moi, tu vois, je l'ai pas connu à l'époque, ce jeu. Mais c'est vrai qu'il est propre. Mais ouais, je l'ai pas connu à l'époque, donc... Ah bah, il y a plein de quêtes, là. Oh là là. Yes. Bah, ça y est, on rentre dans le néant, mon gars. Avec la musique, ça veut dire... Oh, bah là, on lave toutes les quêtes ici, on est d'accord. Là, moi, par contre, je commence à être au bout du rouleau, là. Ah ouais. Il va y avoir du lavage de quêtes, ça, c'est sûr. Et moi, je suis en morse, je fais une quête et demie, et après... Non, mais si tu veux, on se contente de prendre les quêtes dans le village, et c'est déjà bien pour... Yes. Ouais, y'a un mec qui s'est écroulé d'alcool où je suis arrivé dans la cave en main. Il est tombé comme une pauvre. Je ne me sens pas bien. Ah, il se transforme en zélote écarlate. Incroyable. Mais ils crèvent tous les deux en fait. Ah écoute, on est propre. Hein. On a pris les quêtes, on est serein, c'est déjà pas mal. Hein? Ah, demain on vient, on lave. Ah, demain on joue, mais demain soir un peu, non? Ou quand? Yes, yes.